looking quite beige. Got me deep in the haze. There's no more compassion, no. Raise me. I need something fast. I need something to last. Eh bien, salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur la ferme de l'étang, sur la Hofbermann Beta 2, bien sûr. Pour l'instant, elle n'est pas en DL. On teste toujours. Comme vous avez pu le voir dans le titre, eh ben, j'ai mes deux fistons qui sont là, Vincent et Seth, le terrible. Quoi. On va presque les appeler les deux terribles. Et oui, ils sont là, on ira les voir après. Pour l'instant, ben, j'ai été chercher un peu de bonbons. Pour bien faire, j'ai encore deux big bags de lime, de chaud, quoi, qu'il faut que je ramasse ici, ramener ça à la ferme. J'ai commencé à ranger, on va couper le moteur, à ranger un peu la ferme comme je le voudrais. C'est peut-être pas encore définitivement comme ça, mais on verra. Et ensuite, on ira commencer, j'ai semé mon premier champ. Oups. Ça, commencer à semer mon premier champ qui est en colza. Il faut que j'aille mettre de l'engrais, on ira mettre de l'engrais. Et en plus de ça, eh ben, il y aura commencé une moisson, que j'ai un champ. Alors j'espère que vous m'entendez bien, parce que là, il y a vraiment du bruit. Oups. J'essaie de prendre ça comme il faut, les amis. Et vous inquiétez pas, en tout cas merci pour tous les retours sur l'épisode de la ferme de l'ours. Je vais peut-être le prendre un petit poil plus long, puis peut-être que j'arrive à prendre les deux. Non, j'arrive pas. Voilà. Ah, faut que j'aille enlever. C'est les sangles. Je sais pas pourquoi elles sont mises, les sangles. Oups, on va descendre. Regardez-moi ce beau fin de 933. Oups, on va enlever ça, voilà, tac. En tout cas, j'espère que cette série, elle vous plaît. Alors, les champs, c'est vrai que je me posais la question, c'est, j'avais normalement acheté, hop, on va essayer de monter un peu, hop, j'avais acheté les analyses de champs, et je les ai plus. Donc, peut-être que, c'est que, vu qu'il y a eu une mise à jour, je ne sais pas si c'est à cause de ça. Mais en tout cas, je suis content de retrouver mes deux plus terribles. Hein. Vincent, n'hésitez pas, vous avez de toute façon tout dans la description. D'aller voir leurs vidéos, leur chaîne. Il y a mon terrible qui a une chaîne, une double chaîne secondaire. Hop, ça va. Ah, j'arrive pas à pousser. Oups, on va essayer de pousser un peu comme ça. Hop. Voilà, normalement on est tout bon là, les amis. Bien pratique, hein, qu'il y ait ça direct au concessionnaire pour charger. Oups, on va prendre ça. Bon, bien sûr, j'ai pas fini encore de, comme je le disais, de ranger la ferme. Peut-être qu'il y aura, hop, ben, ça n'a pas pris, qu'il y aura peut-être des changements. Je ne sais pas encore. Hop, on va peut-être tourner là comme ça direct. Je ne sais pas comment vraiment bien organiser la chose. Hein. Vous savez que des fois dans la ferme, ben, on a tout qui est dans des endroits. Il faut commencer à courir à droite à gauche pour prendre un outil. Et là, je veux vraiment trouver la bonne organisation. Oups, voilà. Qui sera le plus pratique. Pour vraiment bien travailler. Allez, on va laisser ça là. Hop. Voilà, on va couper. Et on va rentrer à la ferme. Oups. Ah, il est magnifique. Hein. Et en plus de ça, on va peut-être fermer la porte. Hop. On va mettre les sangles. Hop. Alors, j'avais mis le sein tissé.
mais pas le simplicé, je me broute. Tranquillou, comme oui, je le dis souvent, tranquillou, comme toi, mon petit Seth, tu dis voilà. Et puis mon petit Vincent qui dit toujours bon Dieu, bon Dieu. Et c'est vrai qu'on a souvent des mots qu'on répète tout le temps dans les vidéos, ça c'est vrai. Mais je suis content, ils sont là, on ira les voir après, hein, les amis. Vincent, ils sont à la ferme. Ne vous inquiétez pas. Mais c'est vrai que moi j'ai voulu mettre voilà le manuel attaching pour faire un peu plus réaliste et il y a toujours ces conflits avec le simplicé. En tout cas chez moi, hein, je ne sais pas si chez vous vous avez la même chose. Je vois des vidéos que certains ils ont le simplicé et puis le manuel attaching, mais qu'il n'y a pas de problème. J'essaierai peut-être de le remettre, on verra. Et le connu là, il va avancer là, Hermès. Donc ça, on va amener à la ferme. La chaux, normalement, elle va de l'autre côté, parce que vu qu'on est séparés avec la ferme, je veux garder à la ferme pour vraiment pour les animaux et tout ce qui est pour le travail des cultures. Ça sera, on va passer par là. Ça sera donc ici, là, juste sur la droite. Pour tout ce qui est outils culture, tout bordel, vous voyez, vous verrez quand on va aller au champ là, il y aura la moissonneuse que j'ai choisie, les amis. Voilà, regardez, on va se laisser ça ici, comme ça on pourra, hop, on va le baisser, on va enlever les sangles, on va couper le moteur et on va pouvoir aller tranquillou au champ. Le premier champ semé, hein, regardez, il y a le masset, bien sûr, ici. J'allais dire Manitou, non, non, c'est le masset. Et voici le champ que j'ai semé. Et vous voyez que l'azote n'est pas bon. Or, bien sûr, je ne peux pas mettre soit du fumier ou du lisier. Ben, j'ai pas d'animaux encore. Et la moissonneuse est là-bas. Comme vous avez pu le voir, la couleur, ouais, oui, c'est une classe. Vous verrez. Et bien sûr, le gros, joli, fan favori. 926 avec un sulky au niveau engrais, on va mettre ça. Vous voyez que au niveau du pH super parfait, la chaux. Oups, on va ouvrir la porte si je peux. Oui, merci. Ce que je trouve dommage là, il n'y a pas de comment ça de bruit de porte. Ça c'est bien dommage. Vous voyez, c'est un peu dommage. On va couper ça. On va mettre en route. Et on va mettre, bon, ça va vite se faire. Normalement, qu'est-ce qu'il me dit là-haut? Bon, pour l'instant, il y a 27% qu'il faudrait. Est-ce qu'il dit quelque chose après quand on est là? Non, pas encore. Et comme vous pouvez le constater sur la carte, je n'ai... Ah si, maintenant que j'ai... Ah oui, c'est venu. Vous voyez que c'est tout pas terrible, terrible. Et il faut remettre de l'azote. Alors pour l'instant, on en est au truc chimique, hein, bien sûr, parce qu'on n'a pas de vaches, on n'a rien du tout. Les vaches, bah, ils vont venir bientôt avec les petits veaux au début pour les laisser grandir. Mais par contre, il me faudra de l'ensilage. Alors il y a les stocks pour la paille. Alors je sais pas si l'autre côté c'est le foin. Mais par contre j'ai pas de stockage pour l'ensilage. Alors je sais qu'il y a le truc, mais il faudrait le placer. Alors j'ai plus beaucoup d'argent. Comme je l'avais dit dans le dernier épisode, je vous avais demandé me dire à combien il fallait partir. Il n'y a pas de crédit pour le moment. Nous ce qu'on va faire, on va juste faire ça. Mouvement de la caméra. Ça je vais fort, non, normal. Léger, ouais, on va essayer. Ça, je vais essayer quand on recule. Et on va faire la genre de travail 50 mètres automatique. On va faire comme ça. Hop. Ah, mais c'est ça. Non. On va juste c'est régler. Hop. Le VCA que je préfère au GPS. Bon, c'est comme un GPS, mais c'est vachement plus rapide au niveau de réglage. Oups. Bon, je vais me mettre en vue extérieure pour voir comme il faut. Voilà. Tac, comme ça. Ça ira très bien, je pense. Hop. Voilà. Donc on est parti, mon kiki. Mais par contre, je vais voir quelque chose. Il faut déjà que je me mette ici. Ah ouais, ça fait ça. Oups.
Alors, est-ce que si je fais une marche arrière, non? Ah, mais alors, c'est pas ça. Moi, je pensais que normal, mouvement de la caméra, non? Léger, off. Coup d'œil arrière de la cabine. Depuis la cabine, voilà, c'est ça que je voulais voir. Si je fais marche arrière, non? Ah oui, hop. Et puis si je recule, ça fonctionne. Ah, ok. Hop. On va se mettre en place. Hop. Et là, quand on recule, bon, là, je vois pas grand-chose. On va se mettre comme ça. Alors, j'espère que j'aurai un bon rendement. On va rester à l'intérieur. Eh oui, c'est génial, les amis. En tout cas, n'hésitez pas. Pour le programme de la semaine qui vient, comme je l'ai dit, hein, les week-ends, c'est impossible pour l'instant au niveau des lives. Ah, par contre, 685 kilo hectares. Ah, ça part vite, hein. Bon, peut-être que j'aurais dû en acheter vu que j'étais au concessionnaire. Ah, ça, c'est embêtant, ça, par contre. Hop. Ah, mais bon. Hop. Bon, est-ce que ça va prendre? Qu'est-ce qu'il me fait? Oh, bah, c'est pas plus mal qu'il m'a fait ça. Je voulais l'arrêter presque. Je ferai le milieu là. Ah, c'est bon. Ah, mais il est très très large hein, au niveau épandage. Donc on fera ça les amis, ce sera vite 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 fait. Et on ira voir bien sûr Ced et Vincent après. Peut-être on va commencer peut-être au niveau de moissonner. Hop. Hop. Ah oui, j'adore, mais vraiment, je sais pas ce que vous en pensez, j'adore, c'est ce. Vous voyez que c'est un peu le bordel. J'ai la charrue là-bas, bon, le chariot là bien sûr. Oups. Alors je vais peut-être faire en manuel. Tac, on va enlever et puis on va faire en manuel ici. Mais en tout cas, ce VCA est vachement mieux. Ce qu'on va faire avant d'aller voir Ced et Vincent, ça me fait tellement plaisir de les retrouver tous les deux en plus. J'espère qu'il n'y a pas eu de coupure là. J'ai bougé. Des fois, j'ai des coupures avec mon casque. Tellement plaisir, c'est vrai que ça faisait longtemps et ils seront pratiquement tout le temps avec moi sur la partie, les amis. J'espère, hein, j'espère. On va bien s'occuper d'eux. Alors bien sûr, ça c'est un champ. Vous voyez, vous pouvez constater qu'il y a énormément de mauvaises herbes, mais bon, je l'ai acheté. Alors qu'est-ce que ça dit là maintenant? Regardez, on est parfait. En pH parfait en azote. Or bien sûr, rendement attendu 89%, potentiel de rendement 89%. Or bien sûr, il y aura sûrement un dernier traitement au niveau du fertilisant à remettre. Bien sûr, par la suite, on pourra mettre du lisier quand on aura du lisier, voilà, tout simplement. Donc, on va repartir vers la ferme. Je ne sais pas si on va rendre visite, parce que je sais pas. Des fois, ils ont un peu de retard, Vincent et Ced. Alors, peut-être qu'on va commencer, les amis, un peu de moisson. Alors, je sais que j'ai encore normalement l'autre champ là, mais c'est pas prêt et je ne l'ai pas fertilisé. Donc, je n'ai pas les moyens pour le moment de m'acheter un appareil à fertiliser liquide, un épandeur. Donc on verra ça plus tard, les amis. Pour l'instant, on va le faire comme ça. C'est l'histoire d'avoir un peu aussi un peu de rentrée d'argent. Comme je l'ai dit, je vais vous le montrer là tout de suite. J'ai mis un mode. Hop. Par contre, avec le, on ne voit pas terrible. Hop, voilà. On va baisser ça. On va couper le moteur. Oups, c'est fini. Ça, je suis content. C'est une bonne chose de faite. Alors l'autre champ à côté n'est pas, il est prêt à être ensemencé, mais je ne sais pas. Comme il y a le SIFI,
Je ne sais pas si je mets du sifi. Si on regarde ici, hop, c'est la petite sauvegarde qui fait toujours plaisir. Voyez, c'est ça. Ça, ce nouveau mode, c'est assez génial. Il va me dire les prix, le nom où c'est le mieux, et puis les max et avec les mois. Et ça, c'est vraiment. Alors, je connais encore pas. Je l'ai pas vraiment utilisé. On peut voir ici les prix où ça sera le value. Voyez la prochaine vente, tag place, ça je sais pas. On voit que la nourriture ici, oh la palette, palais location palais. Bon ça il faut vraiment. Et si on regarde ici, vous pouvez constater qu'il y a de la récolte. Le colza, pour l'instant au mois de, il faudra attendre le mois de septembre et octobre pour l'orge et le blé. Et le reste, ben voilà, pas grand-chose, sifi que je peux. Et le trèfle. On verra ça plus tard, les amis. Pour l'instant, on va aller commencer la moisson. Et bien sûr, on attend un peu la venue de mon petit terrible Ced et l'autre petit terrible Vincent. Pour l'instant, ils sont pas là. Regardez cette Lexion 620. Alors, j'ai fait longtemps avant de choisir. Puis j'ai dit, ouais, je vais partir sur classe. C'est vrai que pour l'instant, hein, vous allez dire, Papa Valaisan, il n'est pas emmassé. Mais il n'a que le télescopique. Au niveau, on va déplier tout ça, on va lever un peu, hop, hop, on est tout bon. Alors est-ce que je mettrai pas, on va peut-être mettre, hop, on va faire ça. L'agent de travail normalement il l'a pris juste, et normalement on est pas mal. On va faire comme ça, hop. Alors elle fait beaucoup 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 de bruit. Peut-être se mettre en vue intérieure comme ça fera. Alors je sais pas. Ah, elle fait un bruit impressionnant. Alors est-ce qu'elle a lissé? Non, on l'a pas lissé. Elle est vraiment jolie. Alors, je sais pas s'il y aura beaucoup beaucoup de rendement. Quoique pour l'instant ça monte pas mal. On va faire peut-être deux ou trois allers-retours et puis on ira voir Céd et Vincent. Je pense qu'ils seront là déjà. Et oui, ce VCA, alors j'espère que vous m'entendez bien. Hein. Peut-être baisser la prochaine vidéo, je vais peut-être baisser un peu au niveau du son. Mais bon, je peux toujours le faire au montage. Oh, je suis en train de pousser ma remorque, moi. Ah ben bravo. Voilà, HD69 sera content. Il y a le petit fail qui va bien. Je pensais que je passais. Du reste, il faudra déjà aller chercher le Fendt pour. Ben oui, il faudra bien ça. Hop. On va attendre qu'il passe l'autre. Ou bien t'attends. Tu me laisses passer. Oh, t'es trop gentil. Ah, les véhicules ne sont pas si cons que ça. C'est vrai que c'est pas mal. On va essayer. Hop. Comme ça va se placer automatiquement. Ah, le VCA là, c'est vraiment magnifique. Bon, par contre, hop, je vais faire la vue. Ah, sur la moissonneuse, ça va pas. Hop, on va baisser. Et c'est parti. Comme ça, moi, de mon côté, je vais m'occuper de labourer, de préparer ce champ aussi. On va attendre un peu qu'on puisse. Passer au mois de septembre, ça sert à rien. Or du sifi, je vais en mettre parce que c'est. Je ne sais pas vraiment si ça se vend bien, on verra ça plus tard. Mais je suis. Par contre, le rendement n'est pas des plus terribles. Bon, ça on sait. Hein. Au niveau du colza, puis je sais pas combien, vu que j'ai pas traité ce champ. Hein. Il me faudra bien sûr, alors ça c'est important de me dire dans les commentaires combien je mets d'argent. Alors bien sûr, vu que je n'ai pas utilisé le crédit, il faudra bien que je commencerai avec le crédit. Alors c'est soit on part avec 50 000, je vais peut-être faire un sondage. Tiens, 25 000 euros ou 50 000 euros, je vous mettrai ça après la sortie de la vidéo qui sort bien sûr ce dimanche. On va se mettre un peu comme ça.
vraiment magnifique, hein, cette direction. Pas trop écraser mon tournesol. Je me demande si même je vais faire une trémie avec ça. Mais bon, on aura déjà des champs. La prochaine fois, on ira peut-être faire de l'herbe là-bas. Pourquoi pas mettre un champ de trèfle? Par contre, elle fait un petit bruit, mais c'est impressionnant le bruit qu'elle fait, cette moissonneuse. Mais je suis content. Donc, on va finir cette ligne, les amis. Je continuerai de mon côté. Et on va enfin aller voir Ced et Vincent. Me tarde de les voir. Et puis, voilà quoi. En tout cas, je suis content d'être sur cette série avec la nouvelle Hof-Berlin. Alors, je sais que peut-être qu'il y a des risques qu'il y ait une nouvelle mise à jour. Pour l'instant, il n'y en a eu qu'une. Toujours pas de coup de lag, rien du tout. C'est impressionnant. On verra plus tard si quand elle sortira. Alors, c'est pas pour le moment. Hop, on va reculer. On va couper. Elle fait un sacré bruit. Hein. Voilà. Tac. Je continuerai de mon côté, les amis. On va aller ici, bien sûr. Regardez le joli petit masset. Hein, avec Saint-Pissé en plus. Alors, j'ai enlevé les. Je ne sais pas si je l'avais déjà dit. J'ai enlevé. Ah, bah, il y a une vue comme ça. Ah ouais. Ah, nickel. J'ai enlevé les mix. Parce que bah, j'avais des bugs. Donc j'ai dit j'enlève ça et j'ai mis les c'est les CZ SZ, voilà. Et maintenant les amis, il faut je vais déjà ouvrir la porte là. Hop. Allez, ouvre-toi Sésame, on va aller voir. Mais bien sûr, on va aller voir mon petit Vincent et puis mon petit Ced. Ils sont juste là, normalement ils doivent être ici. Il m'avait dit qu'ils arrivaient très très vite. Bah regardez. Ah bah il se lève. Et regardez ce petit Vincent. Bah tu dis pas bonjour à papa. Et bien sûr, il y a le terrible, il est en train de renifler la paille. Hein, bien sûr. Et bien sûr, bah, tout le long de cette série, on va attendre qu'ils grandissent, mes deux fistons. Hein, ils vont être tellement bien ici. Et puis papa, quand il sera bien occupé de vous, il vous amènera faire une jolie promenade. Vous verrez, vous allez être content, hein, mon petit Ced. Il est où, le Vincent? Ah, il est là-bas. Alors, le Vincent, il a toujours été pour partir droite à gauche. Par contre, regardez, le feignant, c'est le terrible. Il est déjà couché. Donc, bien sûr, papa, il va vous donner à manger un petit peu. J'espère que ça vous fait plaisir de revoir... Bien sûr, sur la série de papa, Vincent et Ced qui sont là parmi nous. Et moi, j'en suis très, très content. Hein. Et papa, il va bien s'occuper d'eux. Hop. Tac, on va leur donner un petit peu à manger quand même. Ils vont aimer ça. Surtout mon terrible, mon Ced. Il ne mange pas beaucoup hein, vu qu'il travaille la nuit des fois. Donc, on va leur donner à manger. Et puis... Ah bah ça prend déjà là. Hop, on va essayer de faire un peu. Hop. Et bah, ils ont. On va voir, hein, normalement. Hop. Ici, petit Ced. Ah, ils ont déjà pas mal. J'irai leur chercher un peu. Si jamais c'est un mélange complet, hein, bah, bien sûr, j'ai rien du tout d'autre. Donc ils ont 3 mois mes petits hauts là. Hein. Et je suis tellement content de les retrouver. Ils vont être bien avec papa là. Hein? Ils vont être bien. Bon, moi ce que je vais faire, on va les laisser tranquilles. Se reposer, mes petits, là. Hop. Il faudra que je les repaille un petit peu. Hop, ils m'ont coupé le moteur. Moi je vais les ranger. Bah je peux vous montrer. C'est juste en face. Je suis en train
de regarder comment bien faire les choses. Alors pour l'instant ici, il y a le culti et les rouleaux qui sont là. Alors, je trouve dommage, ça prend de la place, mais on peut pas les poser sans qu'ils, quand ils sont pliés. Et ça, je trouve un peu dommage. Alors, bien sûr, là, il y aura une place pour la moissonneuse. Et ici, j'ai la réserve de chaux que j'amènerai les deux big bags. Ici, on mettra peut-être des réserves, je ne sais pas quoi, de peut-être de fertilisant. Et ici, il y a le small sulky aussi, avec un peu de big bag. Ben voilà, c'est nickel les amis. Hein. Moi, alors là, j'ai rangé, bien sûr, le truc pour faire les analyses. Et de mettre ça sur un des autres tracteurs que il n'y a pas le Isiria. Ouais, c'est ça. Mais voilà. Donc j'espère que vous serez content de que papa il est avec ses deux fils. Je vais bien m'occuper d'eux. Et puis quand ils auront grandi, on ira faire des promenades. Et puis je vous emmènerai à un endroit où vous verrez c'est fabuleux. Oh, oula, j'ai. Et puis. Voilà. Regardez comme il est content. Je sais pas si c'est Vincent ou Céd, mais il est tout content. Il est tout content à se balader là. Et il grouille, il pousse ses petits cris. Là, j'ai acheté la Lucas pour pailler et bien sûr un autre tracteur qui est là, c'est le vieux Deut qui fera un peu style balai de ferme. Bien sûr, on va aller, c'est tranquille. Je suis sûr que le Céd il dort là. Ah non, il bouffe. Bah bien sûr, bah c'est lui hein. Ben voilà, c'est, j'arriverai bien à les départager entre Vincent, parce qu'il y en a un qui bouffe, c'est Céd, et Vincent, il est toujours en train de se gabader là-bas, à grogner, à crier de droite à gauche. Bon, ben les amis, j'espère que cet épisode vous aura plu, on n'a pas fait grand-chose, il y en aura plus cette semaine. On retrouvera bien sûr aussi un épisode cette semaine de la ferme de l'ours. On va commencer à descendre, à ranger l'alpage pour l'hiver. Donc je me réjouis aussi là. Et là, j'espère qu'on va avancer un peu plus. On verra. Pas de live, comme je l'ai dit. Moi, je vais vous souhaiter un bon dimanche. On se retrouve très vite, les amis, en début de semaine avec la ferme de l'ours. Et puis, n'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous mets la playlist, comme d'habitude, en haut. Si vous ne connaissez pas la série La Ferme de l'Ours, qui a déjà 30 épisodes, qui arrive au 30e, bien sûr. Et moi, je vais vous dire tout de bon et à très vite, les amis.